Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ce message que j'envoie d'abord aux femmes qui ont des enfants, aux femmes qui ont fait des enfants avec des hommes, qui sont restées prisonnières et qui ont du mal à se chercher parce qu'elles rêvent toujours, parce qu'elles pensent toujours que le mari, le gars qui les a fait les enfants va revenir. Il faut enlever ça de votre tête. C'est à cause des femmes comme vous que beaucoup d'autres femmes sont handicapées là-dehors. La nuance et la tendance, elle est simple. Ma chérie, si tu as fait des enfants avec un mec, si tu t'es marié avec un mec, vous avez fait des enfants, vous avez divorcé, recommence ta vie. Recommence ta vie. Merci Flavie. Attends, j'épingle ton commentaire. Voilà, merci Flavie. Recommence ta vie. Pourquoi tu dois recommencer ta vie? C'est-à-dire que toi, tu es une femme. Tu trouves normal qu'un homme te fasse des enfants. Peut-être qu'il t'a épousé, vous êtes séparés. Il sort de la maison, il va faire les enfants dehors, et toi, tu es à la maison, tu espères qu'il reviendra encore. Tu refuses de te donner une autre chance de vie. Tu refuses de revivre, tout simplement, pourquoi? Parce que tu as encore espoir que le nabo qui t'a enceinté, qui t'a fait les enfants, en train de faire les enfants dans tout le monde, pendant que tu es encore là, tu l'attends. Il y a certaines femmes qui ont pris ça comme symbole. Tous mes enfants ont le même père. C'est quoi cette façon de penser? Tous mes enfants ont le même père. Tu penses que tous tes enfants ont le même père? Tu es différent de celle que tous, à chaque enfant, chaque père? Expliquez-moi. Donc, tu as l'impression que, comme l'autre, elle a trois enfants, trois pères, et que toi, tu as trois enfants, un même père, vous pensez que vous êtes pareil. Vous êtes des mères seules, sans enfants. Vous êtes des mères seules, vous êtes des mères célibataires avec enfants. Vous avez tous les deux le même statut. Vous avez tous les deux le même statut. Arrêtez souvent de croire que c'est un diplôme d'avoir tous ses enfants avec le même père. Je suis désolé pour vous. À un moment donné, il est temps que vous quittez de ce... Il est temps que vous quittez de ce... nuage. Maman, tu as fait un enfant avec un mec, la relation est finie. Commence à te chercher. Commence à te chercher. Parce que ce qui est souvent bizarre, c'est que dans cette quête, la femme, elle est instrumentalisée par la famille du père de ses enfants. Ils ont des stratégies simples. Ils vont prendre l'habitude de venir souvent te rendre visite. Pas pour voir si les enfants vont bien, mais tout simplement pour te clouer au sol. Pour que tu n'aies pas l'intention d'aller te refaire ta vie. Mais ma chérie, c'est un homme qui te parle. C'est un homme qui te parle. Si tu as fait des enfants dehors, si tu as fait des enfants avec des mecs, ou bien si tu es marié, tu as fait des enfants, les hommes sont partis, refais ta vie. Deux fois, je ne vous comprends pas. Souvent, certaines femmes se lient d'amitié avec la famille du père de ses enfants. C'est pour faire quoi? Et les femmes qui ont tendance à faire ça, ce sont les femmes qui disent toujours que yo, tous mes enfants ont le même père. Donc, parce que tu penses que comme tous tes enfants ont le même père, tu n'es pas un bordel. Parce que comme tous tes enfants ont le même père, tu penses que tu es différente de celle-là qui a trois enfants, trois pères? Vous êtes pareil. Vous êtes des bordels avec enfants. Un point, c'est tout.
Mais sauf que celle qui a trois enfants avec trois pères, elle est encore mieux que toi qui as trois enfants avec un seul homme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toi qui as trois enfants avec un seul homme, tu es condamné. Tu es condamné. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis que tu es condamné. Quand tu as trois enfants avec un seul homme, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, pendant qu'il fait ses autres enfants ailleurs avec d'autres femmes, monte sa famille pour que ta famille vienne assiéger ton domicile. Afin que tu n'aies pas quelqu'un d'autre. Tu es souvent là. Et tu vas toujours voir la sœur du père de tes enfants qui arrive toujours. Ouais, ma coach, tu sais, je suis en train de tout faire pour que vous reveniez encore. Pendant ce temps, il bombarde les grossesses dehors. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire que le gars reviendra. Mais entre-temps, le gars est en train de faire 2, 3, 4 enfants là-bas dehors. Tu vois ta vie? Tu vois ta vie? Je vais vous prendre une anecdote qui m'est arrivée dans les réseaux sociaux. Il y a un monsieur, je ne vais pas dire son nom, on l'appelle Foufou, qui est amené par un gars qu'on appelle La Joie. Le gars drague la matière de Memouna. On arrive sur TikTok, oui, sur TikTok ici, il s'appelle Foufou, c'est l'ami de La Joie. Il vient sur TikTok, il me dit, oh, je suis avec la mère de tes enfants. Il parlait comme si vraiment, et c'est ce qui me pousse à faire cela ici. Il parlait vraiment comme si c'était un trophée. C'est-à-dire comme si sortir avec la mère des enfants, la mère quand même, c'est un trophée. J'ai dit au gars là que mes gars, si tu peux sortir avec elle, c'est une bonne chose. Est-ce que tu connais le nombre de femmes que moi j'ai draguées ici dehors matin, midi, soir? Et quand je lui ai dit ça, le gars était déçu. On avait l'impression que la seule cartouche qu'il avait, il venait de tirer blanc. Parce qu'il pense que comme ma mère quand elle a fait des enfants avec cette femme, elle doit être condamnée, mais non. Elle a le droit de refaire sa vie, de refaire des enfants après moi, de vivre sa vie comme elle l'entend. C'est important pour les femmes qui me regardent. C'est important. Sortez toujours de ce truc. Et je m'adresse particulièrement aux femmes qui ont tous leurs enfants avec le même père. Vous êtes condamnés. Parce que votre bonheur, vous l'avez emprisonné dans les yeux des autres. Vous avez emprisonné votre bonheur dans les yeux des autres. Comment est-ce que vous avez emprisonné votre bonheur? Parce que la sœur du père de tes enfants passe le temps à te raconter des inepties. En te disant que ne t'inquiète pas encore, hein, la mère va venir. Ne t'inquiète pas encore, hein, la mère va venir. Pendant ce temps, tu es à la maison où tu vis comme s'il était encore là. Ça fait 5 ans que le gars est parti. Ça fait 6 ans que le gars est parti. Ça fait 10 ans que le gars est parti. Mais entre-temps, on te dit qu'il reviendra. Entre-temps, t'entends seulement qu'il a 3 enfants dehors. Mais sa soeur a quand même le courage de venir vers toi pour te dire que non, maman, comme tu es là, il reviendra. Voilà pourquoi les femmes les plus malheureuses, ce sont ces femmes-là qui ont les enfants avec le même père. Ma chérie, écoute ce que je suis en train de te dire. Et je te le dis en toute sincérité, en toute humilité. Amer Kamé, c'est l'un des meilleurs dragueurs des réseaux sociaux. Plus dragueur que moi dans les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Il y a des filles que je drague 2 ou 3 fois la même, je ne suis même pas au courant. Donc, quand c'est quelqu'un, quand c'est Amer qui te parle, écoute. Si tu as le père de tes enfants, que c'est fini entre vous. Donne la chance à un autre mec. Donne la chance à un autre mec. Sinon, tu vas finir malheureuse. N'oublie pas que quand tes enfants vont trouver leur copain ou copine, tu resteras seul. Donne la chance à un autre mec. La même chance que tu as donnée au père de tes enfants, donne cette chance à un autre mec. Enlève dans la tête que tous tes enfants doivent avoir le même père. C'est une connerie. C'est une connerie. Je préfère que tu as des enfants avec des pères différents tant que tu es heureuse. Tant que tu es heureuse. On continue à partager, on continue à partager, on continue à partager, on continue à partager. Tant que tu es heureuse, et 4 enfants, 4 pères, tant que ton bonheur, vis d'abord pour ton bonheur. Les femmes les plus malheureuses, ce sont les femmes célibataires, 3 enfants, 1 père, 4 enfants, 1 père, 5 enfants, 1 père. Ce sont les femmes les plus malheureuses. Parce que la belle famille les a toujours fait croire qu'il reviendra. Il ne reviendra jamais.
Et quand tu vas te rendre compte qu'il ne reviendra plus jamais, tu as déjà 50 ans. Tu as déjà 55 ans. Tu as déjà 60 ans. Il t'a laissé tomber, tu avais 25 ans. Tu as passé tout ton temps à élever ses enfants. Et la plupart du temps, ce sont des mecs, on les reconnaît dans les réseaux sociaux. Ces mecs, on les reconnaît dans les réseaux sociaux. Vous allez souvent trouver que ce sont des mecs qui passent leur temps à publier les photos de leurs enfants comme si vraiment ils s'en occupaient. Et ils ont l'habitude de mettre des statuts à la con du genre hashtag occupez-vous de vos enfants. Le mec voit ses enfants une fois par mois. Et encore quand on l'a forcé. Et quand il vient voir ses enfants, il s'arrange à faire le maximum de photos. Et c'est ce même salopard qui vient dans les réseaux sociaux pour dire que hashtag occupez-vous de vos enfants. Il ne sait même pas où ses enfants fréquentent. Il ne connaît même pas ce que ses enfants peuvent avoir comme destination de vacances. Mais c'est le même monsieur que tu vas trouver dans les réseaux sociaux, en train de placarder les photos, il est en train de faire bisous à ses enfants, il est en train de faire bisous. Même cette femme qui souffre tous les jours n'a même pas le courage de poster la photo d'un de ses enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que la manière que ses enfants-là lui donnent ce qu'on appelle le casse-tête, elle n'a pas ce courage-là. Ils sont nombreux dans les réseaux sociaux. Ils sont nombreux dans les réseaux sociaux. Chaque jour que Dieu a créé, ils passent le temps à publier les photos. Et ils ont alors une habitude alors hors pair. C'est de publier les photos. Vous allez voir les pères là de sortir. Hein. Quand les vacances, ils vont sortir le 23 décembre. Ils vont poster les photos pour montrer qu'ils vont passer les vacances avec les enfants. Et pourtant qu'ils partaient juste payer les cadeaux, prendre les photos. Venir polluer Facebook avec, polluer TikTok avec, polluer Instagram avec, pour montrer que lui aussi, c'est un homme. Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. J'appelle ça du satanisme. Voler le fruit du travail d'une femme. Venir publier dans les réseaux sociaux comme si tu étais présent. J'appelle ça du satanisme. C'est voler le travail de quelqu'un. C'est bon. Ces hommes ont toujours les mêmes caractéristiques. Toujours en train de publier les photos des enfants quand les enfants sont bien habillés. Le gars n'a jamais payé la pension alimentaire. Il n'a jamais rien payé. Mais c'est le premier à aller filmer les enfants quand les enfants sont bien habillés. Et il se sert des photos de ses enfants-là pour draguer les autres femmes. En prétestant que, avec tout ce que j'ai fait pour elle, avec tout ce que j'ai fait pour elle, voilà à quoi je suis réduit. Voilà à quoi je suis. On les reconnaît dans les réseaux sociaux. Écrivez les noms, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez certains blogueurs qui passent le temps à publier les photos de leurs enfants dans les réseaux sociaux? Il faut mettre leur nom. Je ne publierai jamais, je ne montrerai jamais une photo de mes enfants dans les réseaux sociaux. Parce que je ne m'occupe pas. Je ne peux pas voler le travail de la mère des enfants là qui s'occupe de ces enfants là pour venir me parler dans les réseaux sociaux pour montrer que je suis un père. Non, je ne suis pas ce genre de mec. Ah, je n'ai pas prononcé son nom. Moi, il vous a dit, ouais, du Cambindo. Ouais. Voilà. On a dit du Cambindo. C'est comme si vous connaissez, c'est comme si vous avez dit, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok, vous avez dit tous la même chose. C'est malsain. C'est satanique. C'est honteux. De voler le travail d'une femme qui souffre tous les jours, matin, midi, soir. À réveiller les enfants le matin pour aller à l'école. Quand ils sont malades, elle est là. À se trimballer pour amener les enfants en vacances, c'est toujours elle. Un beau matin, un salopard vient se filmer, et il va se parler dans les réseaux sociaux, et il va mettre hashtag père responsable, hashtag père responsable, enlevé, s'il vous plaît. Je m'adresse aux femmes, à ces femmes-là. Ne vous laissez plus faire. Le monde a changé. Ne vous laissez plus faire. Si tu te sépares avec un homme, donne la chance à un autre. La même chance que tu as donnée au père de tes enfants, redonne la chance là à un autre mec. Ne te mets pas en prison. Parce que tu paieras les pots cassés. Plus hypocrite et plus ingrat sur terre, plus qu'un enfant, ça n'existe pas. Tu vas finir d'élever tous ces enfants. Ils vont se retourner vers la famille de leur papa.
en oubliant que toi, la mère, tu as souffert. Et c'est comme ça qu'on va commencer à traîner ton nom partout. C'est comme ça qu'on va commencer à traîner ton nom dans la belle famille. Que tu vas rester comme ça, tu demandes que le maître n'a jamais rien payé. J'ai travaillé toute ma vie pour que mes enfants soient heureux. Aujourd'hui, mes enfants se sont retrouvés dans la fermée là-bas. Tu restes comme ça, tu te dis que toi, tes enfants ne partent dans aucun membre de ta famille. Chaque fois, ton oncle te dit que oh, je suis avec tonton Luc, le frère du père de tes enfants. Oh, je suis avec tata Aline, le frère de la paix. Mais toi-même, tes propres soeurs, ils ne partent pas là-bas. Parce que pendant que tes enfants sont là-bas, on les met dans la tête que la famille de maman, c'est la plus mauvaise famille. Et vous connaissez l'ingratitude des enfants. Vous connaissez que les enfants ont une ingratitude, que ça défie toute concurrence. Voilà pourquoi je vous dis toujours, soyez heureux. Aimez-vous plus que vous n'aimez vos enfants. Aimez-vous plus que vous n'aimez vos enfants. Et vous serez heureux. On n'a pas écrit quelque part. Il n'y a pas une convention qui écrit quelque part que tu dois faire tous tes enfants avec le même père. Il n'y a aucune convention qui écrit quelque part que tu dois faire tous tes enfants avec le même père. On a écrit ça nulle part. Vous êtes conditionné par les religions. Vous êtes conditionné par, et je m'adresse à la femme black, je m'adresse à la femme africaine. Vous êtes conditionné par des religions qui ne nous appartiennent pas. La religion musulmane et la religion catholique, ces religions ne nous appartiennent pas. Ces religions ont mis la femme noire en prison. Commencez à réfléchir. Les hommes ont une sale habitude. Je veux que tu ressembles, je veux épouser. Les femmes, les hommes, je veux vous dire quelque chose. Je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Si tu vois un homme dire que j'aimerais que tu ressembles à ma mère, zappez ce gars. Si tu trouves un mec qui te dit, quel courage, la capacité de te dire que je veux que tu ressembles à ma mère, je cherche une femme qui ressemble à ma mère, partez de là. Nous sommes en 2022. Si ta mère est née à 70, je n'ai pas envie de ressembler à une femme qui est née à 70. Je n'ai pas envie de ressembler à une femme qui est née dans les années 70, dans les années 80. Je n'ai pas envie de ressembler à cette femme-là. Et arrête de me dire dans tes oreilles que je recherche une femme qui veut ressembler à ma mère. Non! Il va te dire tout simplement que je veux une femme qui me rend tout simplement heureux. Je veux une femme qui me aide. C'est-à-dire que je veux une femme qui me pousse à être le meilleur de moi-même. Je veux ce genre de femme-là. Que les hommes arrêtent. Il n'y a aucune loi qui oblige une femme à faire tous ses enfants avec le même père. Cette loi n'existe nulle part. Et il faut que les femmes arrêtent. Arrêtez de vous mettre en prison parce que vous attendez le père des enfants. Il y a certaines femmes, je discutais la dernière fois avec Diamond. Il y a certaines femmes, le mec fait les enfants dehors et il a les clés de la maison de là où il a fait 5-4 enfants. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je considère qu'une femme peut être bête, mais être bête à ce niveau-là, c'est dépasser les limites. Être bête à ce niveau, c'est dépasser les limites. Le monsieur, il t'a fait 4 enfants. Il t'a laissé dans la maison. Il est reparti aller construire sur un autre foyer ailleurs. Et tu prends les clés de ta maison. Tu lui donnes pour faire quoi? Pour faire quoi? Elles sont pleines comme ça. Il faut les voir à 3h du matin. Allô, ouais, bé. Ouais, viens alors. Ouais, même si tu ne jures pas, non. Ouais, dis. Mais dis à la fille là que tu pars travailler. Non, tu ne jures pas, non. Tu viens seulement, tu repars vite. Non, les enfants dorment même déjà. Ouais, s'il te plaît. Non, je vais te mettre le carburant. Je vais te mettre le carburant. Oui, non, je vais te mettre le carburant. Ouais, s'il te plaît, viens alors. Ouais, mais même si tu ne dures pas, non. Ouais, il n'est que 23h. Si tu prends la route là maintenant, tu peux m'arriver vers 23h30, non. Ah, donc je t'appelle encore sur le téléphone. Je dis que l'enfant est malade. Comme ça, tu viens vite. Hein. Ok, oui. Allô, là maintenant, il appelle, il fait maintenant genre... Oh. Oui, allô, oui, l'enfant est gravement malade, s'il te plaît. Comme je n'ai pas la voiture, ma voiture est tombée en panne. Est-ce que tu peux m'accompagner pour qu'on amène l'enfant à l'hôpital? Voilà ce que les femmes qui ont les enfants avec le même père font. Entre 22h et 23h. C'est comme ça qu'elle parle au téléphone. Ouais, allô, B. Oui.
Ok, j'appelle. C'est-à-dire que quand il appelle, il faut voir comment il négocie l'appel. Elle envoie d'abord les messages. Ouais, s'il te plaît, décroche alors. Ouais, le gars aussi sort. Allô, c'est même quoi? C'est même quoi? Tu peux parler? Ouais, s'il te plaît, ouais, je vais te mettre les sangs. Et elles savent comment ils appellent. Elles appellent tous les pères de leurs enfants quand les allocations viennent de tomber. Parce que le gars sait que les allocations viennent de tomber, donc il n'en a pas à être un peu docile. Lui, s'il profite, en plus de qu'il ne paye rien, il mange encore l'argent des allocations. Il mange encore l'argent des allocations en plus de qu'il ne fait rien. Écoutez-moi la malchance. Le mec a fait 4 enfants, 3 enfants, 5 enfants. Il a fui la maison, a laissé le salaire et les bordels dehors. Ça ne te dérange pas, ça ne te pose pas un problème. Mais c'est toi encore qui avais demandé le don. Que tu restes comme ça, tu demandes le ouais, que ouais, pardon. Tu te mets à genoux, tu demandes. C'est-à-dire que tu es passé de titulaire à tisa. Et tu es contente de ça. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as fait les mêmes enfants avec un seul, les enfants avec un même père. Maman, tu vois ta souffrance. Et on ne doit pas parler de ça. Voilà des sujets que les femmes doivent parler tous les jours. Les femmes doivent informer leurs soeurs tous les jours. Mais au lieu que les femmes de la toile ne parlent de ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent le temps à faire du Congo, ça, n'importe où, de gauche à droite. Voilà des sujets. Ce n'est pas moi, Amir Kamel, un homme qui vient dire à haute voix ce que vous devrez dire. Le job que je suis en train de faire, c'est ce que vous devrez faire. C'est ce que vous devrez faire, vous en tant que femme, en tant qu'influenceuse. C'est votre job. C'est votre job, c'est ce que vous devez faire matin, midi et soir. C'est de sensibiliser vos copines. Vous trouvez normal qu'une femme qui a fait des enfants avec un homme, 2, 3, 4, 5, se met à supplier la gnasse entre 22h et 23h et de sur quoi payer encore cette gnasse. Et elle va se lever. Vous dites qu'en tout cas, moi j'élève tous mes enfants seuls, c'est une fierté. C'est une fierté où? Qui t'a dit que c'est une fierté? Qui t'a dit que c'est une fierté? C'est pas une fierté, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Parlons peu, parlons bien. C'est un fiasco. Tu fais des enfants avec un mec qui ne s'occupe pas. Et tu payes encore la gnasse. Et tu te lèves pour aller insulter une bordelle. Mais les femmes là sont comment même? Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live. On n'a même pas encore atteint les 500 partages. Partagez le live. Sur TikTok, on ne peut pas être 70 et vous ne partagez pas le live. C'est salut, bonjour frère Lacam. On ne peut pas. Donc vous partagez, il n'y a que 4 partages. C'est incroyable. C'est toi qui dis, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait les enfants avec un seul homme. Le mec s'est barré, il fait les enfants dehors. Et tu commences encore à payer la nièce et tu insultes une autre femme dehors, bordel. Mais maman, entre vous deux, même qui est plus bête que l'autre. Mais tu es plus bête que celle que tu insultes, bordel. Tu es plus bête que celle-là. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Tu ne sais pas vivre pour toi-même. Tu ne sais pas être heureuse toi-même. Apprends d'abord à être seul. Aime-toi d'abord. Tu peux t'aimer comment? Si le père de tes enfants est parti, donne la chance à un autre mec. Donne la chance à un autre mec de pouvoir te rendre heureux. Donne la chance à un autre mec. S'il est parti, fais le deuil. Fais le deuil. Et tu ne peux faire le deuil que si tu te respectes toi-même. Tu ne peux faire le deuil que si tu t'aimes toi-même. Fais le deuil du père de tes enfants. Parce qu'il va t'empoisonner la vie. Il va t'empoisonner la vie avec l'appui de sa famille, avec l'accord de sa famille. Il va t'empoisonner la vie à un niveau que tu ne peux même pas. Partout où tu arrives, oh ma BS, ma BS. Tu m'appelles ma BS? Il faut souvent les répondre. Tu m'appelles ma BS? Et les enfants, les 4 enfants qu'il a fait là-bas dehors, tu n'appelles pas cette fille BS? Le poison, c'est toujours cette belle-sœur. Des poisons toxiques. Moi, je parle seulement. À vous de voir. C'est un homme qui donne les secrets d'un homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui donne les secrets d'un autre homme dehors. Donc, commencez à réfléchir. Commencez à penser comment est-ce que nous allons faire. Est-ce que ce qu'Amir Kamer dit, nous le validons? Est-ce que ce qu'Amir Kamer dit, c'est la vérité? Mais le plus important, c'est quoi? C'est que quand tu vas te coucher, que tu vas fermer les yeux et que tu vas penser à ce qu'Amir Kamer dit, tu vas dire, il est temps que je commence à m'aimer. Il est temps que je commence à m'aimer. Il est temps que je commence à rester comme ça devant ma gaz et que je te dis, on va prendre un exemple de nom, que je dis, toi Karine, moi Karine, je dois être une bombe pour quelqu'un d'autre. Je dois être une bombe pour quelqu'un d'autre. Moi Bella Bella, je dois être une bombe pour un autre mec.
Il est temps que je fasse le deuil de mon père, du père de mes enfants. Et donne la chance à un autre mec de t'aimer, de te valoriser, de te respecter. C'est simple. Arrêtez toujours de souffrir, de déprimer. De souffrir, de déprimer. Parce qu'on est avec un mec. Il n'y a pas, on ne t'a pas prescrit à l'hôpital que tu finiras avec le père de tes enfants. On ne t'a pas prescrit ça à l'hôpital. Il n'y a aucune loi qui t'impose que tu resteras avec le père de tes enfants. Il n'y a aucune loi. Nous sommes en 2024. Nous ne sommes pas dans les années 60. Nous ne sommes pas dans les années 60. Ma soeur, sois heureuse. Vis ton bonheur. Ton bonheur ne doit pas être dans les mains d'un homme. Ton bonheur doit être dans tes mains. S'il y a un gars qui te drague, donne-lui sa chance. Donne-lui sa chance. De fond, on voit des mecs laisser son foyer. Venir faire les problèmes là où il y a la mère de ses enfants. Venir faire les problèmes là où il y a la mère de ses enfants et celle-ci reste tranquille. Oh, je ne veux plus te voir avec quelqu'un d'autre. Oh, je suis fatigué de ça. Non. Je vous parle de ça par rapport à l'incident que moi, mère, Kamer, j'ai eu dans les réseaux sociaux. Le mec vient draguer la matinée de Memouna. Comme s'il voulait me vanner. Hein. Mais il dit que oh, tu as la chance que sinon, j'allais me mettre là-bas, tu n'allais plus venir là-bas. Il dit, mon frère, si tu sors la matinée de Memouna, mais c'est une chance pour moi, petit. Comme ça, au moins, c'est que si moi, je n'ai pas pu la rendre heureuse, toi, au moins, tu peux faire ça. Il y a une honte à ça? Non. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Prenez le temps d'abord d'être d'abord heureuse. Heureux. Maman, tu as fait les enfants avec quelqu'un, hein? Il est parti, hein? Change la serrure. Change la serrure. Tu as fait les enfants avec un homme. Interdit à cet homme de poster les photos de tes enfants dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour les enfants. Interdisez au père, à ces pères-là de poster les photos de ces enfants-là dans les réseaux sociaux. Parce que la réalité, c'est qu'ils ne s'occupent pas. Ils ne s'en occupent pas. Interdisez-leur de poster les photos de vos enfants dans les réseaux sociaux. Ah, si c'est pour vous d'avoir l'argent, on ne vous envoie pas l'argent. Le mec, il ne te donne, c'est toi qui lui donnes l'argent des allocations. Et c'est lui qui poste les photos. Il faut l'interdire. S'il veut poser les photos, il n'a qu'à prendre la bordelle avec qui il est, il lui fait les enfants et il pose la photo. Soyez cash. Soyez cash. Le père de tes enfants, poste la photo de tes enfants dans les réseaux sociaux, porte-le plainte. Là où il est là-bas, la bordelle avec qui il habite là-bas, qui dit à la bordelle là de faire les enfants et comme ça, il pose les enfants là. Arrêtez d'être des victimes. Arrêtez de pleurnicher tout le temps. Comme si vraiment. Et c'est toujours cette femme-là qui passe le temps à insulter les autres dans les réseaux sociaux. Elle passe le temps à insulter les autres femmes dans les réseaux sociaux. C'est incroyable. Les mères célibataires ont une sale mentalité dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut voir ces mères célibataires. Elles sont toujours connectées à partir de 22h jusqu'à 4h du matin. Tu te dis, Seigneur, Seigneur, dormez non. Dormez. Elle ne dorme jamais, des insomniaques. Toujours connecté entre 22h et 3h du matin, 4h du matin. Si tu veux draguer une femme qui a des enfants, connecte-toi à partir de 23h sur TikTok, sur Facebook, sur Insta. Jusqu'à, c'est là-bas où tu vas les trouver là-bas. Maman, c'est là-bas où je fais mon marché, non? C'est là-bas où je fais mon marché. Elles sont toujours là, hein? Femmes indépendantes. Tu trouves les allocations, tu dis que tu es femme indépendante. Et femme forte. C'est toi qui trouves les allocations. Celles qui travaillent se connectent, ferment la connexion à 2h du matin. Elles sont toujours là. Viens voir les IB. Elles regardent. Maman, tu as fait les enfants. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire certaines vérités que vous n'allez pas accepter. Je vais vous dire quelque chose de simple. Quand on a fait les enfants, hein, ton fonds de commerce fond à 70%. Quand on a fait les enfants avec un homme, on n'a plus le choix. On prend ce qui vient. De fois, on vous voit ici. Tu vois les femmes mariées là, tu vois les mères qui ont fait les enfants là. C'est les premiers à être sur TikTok avec les gaines. Avec les gaines là. Si vous voulez les gaines vraiment qui c'est là, il faut contacter l'ACAM.
Là, quand on a des bonnes... tout à l'heure, en gros, je vais poster, je vais demander à l'ACAM de m'envoyer les photos parce qu'ils vendent des gains. C'est-à-dire que si vous voulez draguer dans les réseaux sociaux, l'ACAM vend les trucs concrets, donc les ceintures là. L'ACAM vend, ils vendent de très bonnes ceintures, c'est une marque camerounaise. Je vais voir tout à l'heure, après je vais le voir, vous allez, je ne sais même pas s'il est connecté. Regardez-moi un peu si l'ACAM est connecté là, s'il vous plaît. Salut Farel, comment ça va? Regardez-moi si la cam est connectée. Je vais... Oh merde, c'est la partie. Attendez, je vais voir si la cam est connectée. Attends. Bon, si la cam est connectée, là, passez-le-moi. Cheryl, comment ça va, Cheryl? Après, on va monter. Tu vas monter tout à l'heure, Cheryl. Tu as montré tout à l'heure, comme ça, tu auras ton avis. Si tu as ton avis à donner, n'hésite pas. Donc, c'est important. Les femmes qui ont fait les enfants, là, elles sont en train d'insulter les bordels dans les réseaux sociaux. Il dit que si vous voulez voir le clash des mères enfants célibataires, là, connectez-vous entre 22h et 3h. Celles qui travaillent, arrêtent la connexion à 2h du matin. Celles qui sont au chômage, là, celles qui tuent les allocations, là, elles se connectent de 23h jusqu'à 4h du matin. Elles ne font que manquer de respect aux autres femmes. Tu les entends insulter, oh chérie, bordel, vendeuse de piment. Oh chérie, bordel, vendeuse de piment. Elle insulte chérie le bordel de vendeuse de piment. Mais c'est elle qui est la première à aller demander le tot, à aller payer le tot avec l'argent des allocations familiales. C'est elle la première à aller payer le tot avec l'argent des allocations familiales. À payer le tot qu'elle avait gratuitement, elle va repayer son ancien tot. C'est-à-dire qu'elle paye le tot au père de ses enfants pour venir à Nias avec l'argent des allocations. Et nous, on ne doit pas parler, on doit rester tranquille. Non. Regarde-toi dans une glace. Dis que je ne veux plus de cette vie-là. Regarde-toi dans une glace. Tu dis que ça, je ne veux plus de ça. Sa mère, quand même, qui te parle. Une femme ne te parlera jamais avec cette franchise. Je suis le seul blogueur camerounais capable d'être véridique. Sans avoir l'état d'âme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que beaucoup de vos sœurs vivent tous les jours, mais ne veulent pas vous le dire. Si tu vois ta sœur qui a déjà fait 3 enfants avec le même père et que depuis 1-2 ans, tu ne vois personne, dis-toi que le père des enfants vient gnasse. De temps en temps, quand l'argent des allocations prend. Si vous voulez coincer ces mecs, c'est très simple. Vous pouvez coincer ces mecs à partir du 5 jusqu'au 10 juin, parce que l'argent des allocations encore là. Pendant ce temps, ils rôdent tout. Certains ont développé ça comme une matrix. Ça veut dire que quoi? Pendant que la femme, quand il sait que la femme a touché les allocations, il appelle pour dire, est-ce qu'elle peut venir prendre les enfants? Oui. Mais le problème, c'est que comme l'essence, non, il n'y a pas de souci, viens chérie, je vais te mettre l'essence. Pendant qu'il met l'essence là, il profite, on lui met l'essence. Pendant que les enfants entrent dans la voiture, il profite une toute vie. Et vous avez vu, hein, et regardez un peu comment on niasse les mères des enfants là. La nièce ne dépasse pas 3 minutes. Le gars te positionne quelque part. Par qui t'étends là, vous, il joue avec lui, il se lève, vous, il frappe plumer. Tu as pointé ses 200. C'est-à-dire qu'il vient prendre ses propres enfants pour les amener au parc. Il pointe 200 euros. Il pointe 300 euros. Il profite, il niaise vite. Et elle est contente. Tu vois ta vie. Et elle est contente. Elle va se lever pour venir insulter ta mère. Oh, va te marier. Oh, tu es qui? Oh, Amé, ta mère, tes enfants sont où? Ma chérie. Moi, je suis Nangaboko, reconnu officiellement par l'État. Je suis Nangaboko, reconnu officiellement par l'État. Tu me poses les questions comment? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ce que ces femmes ne veulent pas dire. Elles sont dans une souffrance. Quand elles voient son raison, elles sont là, elles m'insultent matin, midi, sur le truc. Matin, midi, sur le truc. Oh, Ahmed, tu ne te maries pas. À ton âge, tes égaux sont mariés. C'est ce qu'elle me dit dans les réseaux sociaux tous les jours. On partage, Nadège, Michel, on partage, vous avez déjà dit, on partage. On ne peut pas être 900 sur Facebook et nous n'avons même pas encore 100 partages. Ça ne se fait pas. Il faut donner la puissance au live. Il faut donner la puissance au live. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous connectez, partagez. Oui, c'est bon de rigoler. Mais quand tu sens que ce live est vraiment important, partage-le. Et je peux vous donner même encore un bon conseil. Partagez le live. Là, quand tu sais que tu as ta copine qui a fait les enfants avec le même mari, partage-le ça en inbox. Il regarde. Mais tu ne lui parles pas. C'est une manière de lui parler sans lui parler. C'est une manière de parler à cette fille sans vraiment lui parler. C'est-à-dire que tu lui partages le live en inbox, tu restes toi tranquille. Comme ça, qu'elle va se réveiller le matin pour regarder. Bugatti, il faut partager le live. Qu'elle va se réveiller le matin pour regarder comme ça. Qu'elle va commencer à attendre à mère parler. Ça va travailler son cerveau. C'est incroyable. Les filles les plus mal élevées dans les réseaux sociaux, ce sont les femmes qui ont les enfants avec le même père. Ce sont les hommes qui ont les enfants qu'on a laissés. Elles sont très fortes. Hein. Un peu comme ça, tu dis que oh, irresponsable. Ma chérie,
Tu m'appelles irresponsable. Est-ce que vous m'avez discuté? Moi, au moins, je sais que je suis vagabond. Moi, au moins, je sais que non. Je marche le matin, je me dis ça. Mais toi, qui as 4 enfants avec le même père, qui passe le temps à insulter les femmes de bordel dans les réseaux sociaux, qui passe le temps à distribuer la nudité des autres femmes, parce que les femmes qui ont les enfants avec, ce sont les mêmes femmes qui distribuent la nudité des enfants dehors. Tout ce qui a de maléfique dans les réseaux sociaux, ce sont ces femmes célibataires avec enfants. C'est-à-dire qu'elles sont dans les réseaux sociaux en train d'insulter tout. Elles sont dans tous les combos, elles ne dorment pas. Ce sont ce qu'on appelle que des amis. Vous parlez de quoi? Des insomniaques. Avec les petits yeux comme ça là. Elles sont toujours comme ça là. Mako, tu sais que moi je n'aime pas Facebook. Non, moi je n'aime pas. Non, hé, hey, maman, tu sais que moi les réseaux sociaux, c'est pas tout mon truc. Maman, tu as vu ce que je fais avec ta mère. Maman, eux, le salopard. Les gens viennent nettoyer les toilettes l'autre jour, non. Non, il nettoie les toilettes, non. Je te dis la vérité. Hé, hey, maman, oh, le gars là, hey, un minable, un homme qui nettoie les toilettes, oui, c'est. Maman, la fille à l'école, c'est. Mm-hmm. Jusqu'à elle allait rester là-bas. Moi, on l'a mis dehors la dernière fois, non. Hé, hey, le pauvre. Elles sont les insultes au Shiga matin, midi, soir. Elles insultent au Shiga matin, midi, soir. Moi, Shiga, moi, un gars dans la maison avec elle dort tous les jours. C'est toujours les premiers à distribuer les nudes au Shiga dans les réseaux, surtout que pam, 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 pam. C'est toujours elle, c'est insulté au Shiga. Elle insulte à mes camarades. Elles connaissent la vie d'Oshiga au bout de leur main comme si de rien n'était. Elles connaissent la vie d'Amer Kamer. En dedans, elles sont là. Hein. 4 enfants, un père. 4 enfants, 4 pères. Elles sont comme les dominos que vous. C'est elles qui causent le désordre dans les réseaux sociaux. Et avec ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle, on parle pourquoi? On doit parler. On doit parler. Je vous dis une vérité. C'est ce que vous ne voulez pas voir. Est-ce que c'est quelque chose? C'est ce que vous ne voulez pas. Et vous dites ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous ne voulez pas entendre. C'est important. C'est important. Donc, ne venez plus dans les réseaux sociaux insulter les autres femmes, insulter la vie des autres parce que la vôtre ne donne pas. Et s'il y a quelqu'un qui cherche les nudes dans les réseaux sociaux comme les femmes célibataires, les femmes, les célibataires avec enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Regardez, les femmes célibataires avec enfants sont toujours calmes à partir du 5 jusqu'au 10. La tension descend dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les allocations familiales sont arrivées. Quand les allocations commencent à finir, ça veut dire qu'à partir du 12, quand il appelle déjà le père de ses enfants et que le gars ne répond plus, c'est là où tu entends alors commence à reprendre encore. Allô, ma. Eh, je ne t'ai même pas laissé. Allô, maman, laisse, je ne te dis même pas. Chéril. Maman, la voix de Chéril, là. Eh, je ne te dis même pas. Oh. Non, moi, je ne connais même pas sa vie. Moi, je ne connais même pas. Moi, je ne connais pas la vie de Chéril. Qui c'est la bordel, là, qui elle est poussée dans les réseaux sociaux, non? Oui, la bordel, là, non. C'est qu'elle est un enfant, là. Oui, c'est elle. Maman, tiens, apparemment, elle fait travailler les filles de 9 ans. Elle m'a dit, 9 ans. Elle dit, quand j'ai vu ça, maman, quand j'ai vu les filles, tu vois les filles de 9 ans, là, maman, hé, hey, maman. Elle te décortique le Congo, ça. Tu restes comme ça, tu dis que yes. Quand elle est finie, l'autre t'appelle l'autre côté. Allô, maman, tu as vu Shiga, maman. Maman m'a envoyé les photos de Shiga. Maman. Hé, hey, on a fait la bouche comme ça, non, c'est une bordel. Hé, hey, maman, elle a mec. Toute la nuit, elles sont sur les noms des gens. Refaire leur propre vie, ça les a dépassés. Refaire leur propre vie, ça les a dépassés. C'est la vie d'Amer Kamer qui les intéresse. C'est la vie d'Oshiga qui les intéresse. C'est la vie de Lolo qui les intéresse. C'est la vie de Compressor qui les intéresse. C'est la vie de Renker qui les intéresse. C'est la vie d'Oshiga qui les intéresse. C'est Chéril qui les intéresse. C'est l'étoile qui vient. C'est les autres vies qui les intéressent. Mais leur propre vie, elles ont abandonné. Elles ont abandonné leur propre vie. C'est les autres vies qui s'intéressent. Et elles sont assises là-dedans, matin, midi et soir. Quand le 5 du mois arrive, elles partent, elles savent les pères des enfants jusqu'au 10 et elles reviennent encore. Elles font ça depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elles sont dans ça. Elles te disent qu'elles ne sont pas connectées, mais elles connaissent Facebook plus que tout le monde. Tout le monde. Une fois qu'elles ont déposé les enfants à l'école, vous, elles sont dans les réseaux sociaux. Elles sont dans les réseaux sociaux. Leur plat favori, c'est pâte bolognaise. Les enfants, pâte bolognaise, riz bolognaise, pâte bolognaise, riz bolognaise, pâte bolognaise, riz bolognaise. Voilà le plat favori de leurs enfants. Et elles vont se lever pour venir nous insulter.
Ta mère quand même dort dans la voiture. Au moins, il dort dans la voiture sans mes enfants. C'est clair. Au moins, il dort. Oh, la mère quand même va t'occuper des enfants. Non, la mère de mes enfants, elle s'est mariée. Il ne m'occupe encore de quoi. Le gars qui va me faire le travail. Moi, je suis Nangaboko, déclaré officiellement. Tu me demandes. C'est-à-dire que toi, tu te moques de moi, mais tu es dans une souffrance que toi, tu ne peux même pas imaginer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Après, on va voir ces bâtards-là venir prendre les photos des enfants qui ne s'occupent pas, publier dans leur compte Facebook. À mettre les statuts, ils sont nombreux comme ça à Paris, c'est leur travail. Ils sont nombreux comme ça en Belgique. Leur travail, c'est une fois qu'on lui donne le courage d'aller voir l'enfant, il prend la photo, il met comme ça, comment il fait, il a trop d'amour avec l'enfant. Certains même ne connaissent même pas les noms des enfants. Certains même se trompent des noms des enfants. Mais c'est eux qui viennent faire le show. Après qu'on va parler, ils vont commencer à dire que Bombo, Amé Kamé, Wombo, Amé Kamé. Ils vont venir nous parler. Je vous ai pris l'exemple. On a un là qu'on appelle Jukambido. On a un là qu'on appelle Jukambido, un blogueur. Lui passe son temps à insulter. Matin, midi, soir. Il insulte au Chica, matin, midi, soir. Tout le temps. C'est lui qui a sous-location. C'est lui qui est en sous-location. Écoutez bien. C'est lui qui est en sous-location. Le Jukambido. C'est lui qui est en sous-location. C'est lui qui est dans sa maison, il n'y a aucun meuble. C'est lui qui voit ses enfants une fois tous les 3 mois. Mais c'est lui qui insulte Oshiga tous les jours que oh, va t'occuper de tes enfants. Oh, va faire ceci. C'est-à-dire que voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Il faut qu'on se dise nos vérités. Pourquoi? Ça vous fait mal, pourquoi? Non, n'ayez pas mal. Attends, c'est... Attends, je te... N'ayez pas mal, vous avez mal, pourquoi? Merci, Amé Kamé. Amé Kamé, je voulais dire, tu parlais très fort. Du Kamé, c'est quelqu'un qui a une frustration en lui. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, ce gars, il t'envie tellement parce que tu as quand même changé les femmes. Tu as vu les femmes, on a vu. On n'a jamais vu une femme de Jukamien. Il a une frustration en lui. Je sais, il faut qu'il te demande comment tu fais pour être en couple. Comment tu fais pour que les femmes t'assument. Parce qu'aucune femme ne veut l'assumer. Il me rappelle quand nous étions dans des groupes Messenger, Jukamien pleurait, il me suppliait, chérie, mettons-nous en couple. Il connaissait quelqu'un, une vendeuse de piments. Il connaissait. Il connaissait qu'il était en couple. Mais il me disait, chérie, mettons-nous en couple. On fait aussi le couple glamour. On fait les vidéos, les photos. Moi, je n'avais pas compris. Parlons de ce que tu as fait à la partie du film, là, bon mal. Il disait que quand. Je te jure, c'était depuis chez Emité Chéril. Tolib, pardon, en résiste. Et vous, là, vous le dites, abonnez-vous massivement sur les pages de Tolib. Massivement. Vas-y, ma soeur. D'accord. J'étais en train de dire, Jukamien, je pense qu'il t'envie tellement. Il faudrait juste qu'il demande ce, comment tu fais au fait pour être en couple. Comment tu fais pour que les femmes t'assument. Tu vois. Parce que ce nain, parce qu'on parlait de nain, je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, moi, j'étais à Paris, je suis arrivé au restaurant. Il est cool comme ça, il est sale. Il était comme les enfants qui jouent dans les boulets. Ils ne savaient pas que c'était Jukamien. Ils ont vu un couple, un petit enfant comme ça qui a failli me cogner. Il dit que Jukamien, c'est toi. Oh, chérie. En fait, c'est un bip. Il fait tellement pitié, ce Jukamien. Mais comme donc, il t'a supplié d'être en couple avec lui. Il m'a supplié. Quand on était dans les groupes Messenger, il dit non, 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 moi je ne vais pas vous mettre en couple avec les gars comme vous parce que vous êtes des clasheurs. Moi je ne vais pas me mettre en couple avec un clasheur et tout et tout. Il m'a dit que non, c'est juste pour faire le fun et tout. Tu vois un peu comment les. Tu vois un peu comment les Amé Kamé et puis ça se passe là et tout et tout. Elle dit que père, Amé Kamé, là, ça change. Moi je ne vais pas me mettre en couple parce que les trucs, ils ont fait des clasheurs là, moi je ne suis pas moi dedans. Il connaissait qu'il y avait un Joe, comme il dit que j'ai le what et tout. Il connaissait tout. Mais ça va empêcher que le mec, il voulait quand même qu'on se mette ensemble. C'est-à-dire, moi, je. Donc, il sait que tu es en couple. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il sait que tu es en couple avec un gars.
Il connaît. Pour lui, c'était que. Mais le what, il va pas te faire du bien. Pour lui, c'était ça, au fait. Il va pas te faire du bien. Il dit que, ah, mon frère, moi, je suis à mon what, je suis au calme dans mon village, c'est pas moi le problème. On se met en couple, viens à Paris, je t'invite et tout. Quand j'ai vu Dukamel n'a pas pu me draguer en face. Il a vu l'enfant charismatique, grande de taille, Jean-Jean. Il n'a même pas pu me draguer. Au contraire, au chéri, donne-moi le bouillon. Il était au bouillon, non. Il grattait les billets, le bouillon. Il a dit, oui. Le petit parvenu. C'est la caméra qui lui fait parler, au fait. Ce petit nain. Il est court comme ça, Amé Kamé. La tête est pleine à la tête comme ça. Au cou comme ça, je ne sais pas. On ne le voit même pas. J'ai même honte de... Il voulait qu'on fasse les vidéos, les photos. Non. Je ne veux pas sortir avec toi. Je ne veux pas qu'on nous voit et qu'on s'est vu, non. Et tous les fois, il allait draguer une fille. Il allait draguer une fille en Belgique. Dans le groupe où on était, il draguait même au Cameroun. Même au Cameroun, les filles le barraient. Mais oui. Du Cameroun n'a pas la chance. Il draguait même les petites filles du Cameroun, les filles le barraient. Il drague une fille au Cameroun. Voilà un gars qui vient prendre ça devant lui. Même au Cameroun, il dit quand même au Cameroun, on te bat, c'est grave. Du Cameroun, je sais pas, il a une frustration. C'est quand la lionne a barré que j'ai dit que tu sais que la lionne, c'est une fille que elle accepte tout le monde. C'est quand la lionne a barré du Cameroun que j'ai dit que non, son cas est grave. Non, mais il vénère Natacha de Monaco, comme tu le vois. Comme il dit qu'on a combattu Natacha, il vénère. Natacha, c'est une grande personne. Oh, il dit que. Mais il oublie que Natacha est dans le piment. Il connaît qu'elle vend le piment, mais il vénère Natacha de Monaco très mal. Il vénère Flore de Lille. Ce gars. Et je sais pas, il veut combattre quelque chose qu'il aime. Il venait, on fait ça. Tu connais que moi-même, tu sais que moi-même je suis une vendeuse de piment, mais tu veux qu'on se mette en couple, on s'affiche. Elle ne veut pas m'afficher avec toi. Ben, il sait que tu es une vendeuse de piment, mais. Il sait que tu es une vendeuse de piment, mais. Il voudrait que non. Et tu sais que, Amé, tu vois le fait qu'elle monte dans ton live, la dernière fois, ça a pris flou, ça, il y avait les gens et tout. Il voulait faire la même chose avec moi, les raser. Ok. Tu vois, lui, il voulait vivre derrière moi jusqu'à. Il dit, oh, chérie, il a pris le pouvoir sur TikTok au lieu de conseiller les enfants. Maintenant, quand je suis monté dans. Les gens clashaient, ils m'attaquaient. La bêtise qu'il a fait, c'est qu'il ne connaît pas jouer. Quand tu as quelqu'un qui va te donner les vues, voilà. Fais même semblant que tu avais la personne. Ne montre pas totalement que tu es contre la personne, contre tout le monde. Personne ne peut accepter ça. Exactement. Quand tu veux les vues, jamais. J'ai dit que tu veux les vues. Quand je suis parti, son live est descendu. On était à 300 personnes. Quand je suis parti, son live est resté à 100. Mais c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. La dernière fois, je lui ai dit ceci. Parce que le problème, c'est que. Ouais. Il pense que avec Oshiga c'est le buzz. C'est une vraie relation de couple. Tu vois un peu. Ce n'est pas que. Tu sais, quand je parlais tout à l'heure des femmes, demain je vais parler des hommes. Mais tu sais, le problème, c'est que le problème de Dukambindo, c'est un problème qui est dû à un manque de personnalité avancée. C'est-à-dire que le gars a été traumatisé. Voilà pourquoi on dit toujours que quand tu as fait le Boza, c'est souvent conseillé de voir un psychologue. Parce que le problème, c'est que quand tu n'as pas d'amour pour toi-même, quand tu ne peux pas t'aimer, quand tu ne sais pas te valoriser, tu te retrouves devant quelqu'un. Quand tu te retrouves devant quelqu'un qui sait s'aimer, ça te pose un problème. Parce que tu restes dans une frustration extrême. Il est tellement frustré. Mais il est seul, Amé. Aucune femme ne l'assume. Tu as déjà vu une fille assumer. Aucune fille ne l'assume, je te dis. Aucune. Personne. Et que les gens veulent seulement le bac. Maintenant, il vient du coup. Une femme te demande de l'argent. C'est normal, lui, il va payer. Il n'a pas laissé. Il n'est pas non, il doit payer la femme. Non, lui, il est obligé de payer. Il fait 1m10. Qui va l'aimer? Je dis que la première fois que j'ai rencontré, je vais te dire. La première fois que j'ai rencontré Dukambindo, tu veux que je te montre la photo? Attends. Je te jure que j'aurais dû le filmer. Non, attends, je te montre la photo. Quand j'ai rencontré Dukambindo, tu as l'impression que c'est Jay-Z qui débarque au Cameroun. Je suis arrivé là-bas en mode américain, en mode carrière, genre. Non, mais avec Kamé, il te respecte. On appelle celui-là, Camille Makosa. Il dit que tu es notre Makosa. Tu vois, mais le problème, accepte que quelqu'un te dépasse et ferme ta bouche, tu vois. Il a toujours dit ça, que Amé Kamé, c'est le Makosa, le Camille Makosa du Cameroun. Il le sait, il connaît que tu le dépasses. Mais dès la première fois que j'ai vu Dukambindo, je me suis dit seulement que Seigneur, comment il peut faire pour avoir une copine dans sa vie? Parce que tu il sens. Pas. Mais Luca était dans un.
Le pantalon, c'est la jupe pour lui, mon frère. Pour lui, le Maman. pantalon, c'est la jupe, frère. Salut, Babati. Attends, je vais te dire. Attends, je vais te montrer la photo le jour où j'ai Mais rencontré. c'est quoi ce gars? Il n'a pas confiance en lui. Regarde, voilà le jour, voilà le jour où j'ai rencontré du camp. L'Américain à côté, c'est moi. Regarde le chat, je vais te montrer. Mais là, il ressemblait même pas à quelque chose. Peut-être sur le téléphone même qui a bien filmé. Ça veut dire que voilà le jour où j'ai rencontré du Cambino. Je montre aussi. Ça Regarde les veut chaussures qu'il dire. avait au pied. Regarde, il est court comme ça, Joe. Court, court. Regarde les doigts. Maman, Un il nez. a les doigts comme un écraseur de poison. Du camé fait pitié. Il venait Natacha de Monaco, mon frère. On a combattu. Qui a combattu Natacha de Monaco? Du camé, tu peux combattre quelqu'un. Déjà, tu as fait le face-to-face une fois avec Oshiga. Elle t'a essoufflé, tu as fui. Tu as dit que non, je préfère parler avec Amé Kamé. Tu veux montrer que tu as la grande gueule, mais tu n'assumes pas, tu n'affrontes personne. Voilà. Amé Kamé affronte très mal. Mais tu as peur. Même quand tu fais tes lèvres, tu fais tellement pitié au fait. Mais le problème, c'est que le gars a voulu combattre. Je vais te raconter une histoire, une anecdote. Le jour où Flore fait son anniversaire, son deuxième anniversaire, pas sur le bateau. Apparemment, Flore lui avait menti qu'on allait l'envoyer le billet d'avion par la poste. Le gars, une semaine avant, à l'époque, c'était dans les groupes WhatsApp comme il faisait souvent là. Une semaine avant, chérie, il allait payer les habits. Ah ouais? Le gars a insulté Flore toute la nuit, pendant que Flore faisait la fête. Oh, comment Flo peut me faire ça? Hein? Il m'a demandé qu'elle allait m'envoyer le billet d'invitation. J'ai attendu le billet d'invitation. Il dit qu'il a porté toute la veste qui devait aller. Il dit que toute la nuit, le gars a parlé. Et après maintenant, ce que moi je vais lui dire, c'est que, tu sais, si les femmes font confiance à mère qu'à mère, une femme épouse un comportement. Une femme épouse un style. La femme tombe amoureuse d'un comportement et non l'être qui est en face de lui. La femme apprécie l'être. Mais tombe amoureux d'un comportement, valorise un comportement. La femme ne peut marcher avec une personne qui peut lui mettre en valeur. C'est important. Une femme sait que telle personne peut me mettre en valeur. Je vais marcher avec cette personne parce que Et cette personne, ça, quand je marche avec Et lui, il ça, me tu sais le valorise. faire. Et Voilà, là, je suis tu un sais le champion du faire. monde. Et qui est? Bon. Tu as préparé le poulet ici, là, pour mon estime, on a vu. Voilà. Mais tu as pas vu, tu as pas vu la dingue que j'ai fait au Chida. C'était la magie. On a vu comment il faisait les rangements. Regarde par exemple comment je faisais les rangements dans la maison de Shida. C'est ça le travail d'un homme. Mais quand le gars regarde ça. Non mais Amel Kamel, du Kamel ne peut même pas faire les rangements. Il ne va même pas arriver à l'amour. Le pire, c'est que. Voilà, c'est aussi ça. Pour lui, Il a un petit détail. Il a un petit détail aussi. Ouais. Il est tout petit comme ça. Il fait. C'est un enfant. On doit prendre sa femme au village, tu comprends? Il a dit qu'on m'a envoyé ses nudes. On m'a envoyé. Mais tu sais, c'est parce que je ne suis pas un mauvais garçon. Qu'on m'a envoyé ses nudes. C'est une fille là qui m'a envoyé ses nudes, elle est en Italie. Et c'est qui, c'est, oui, je connais la fille là qui t'a envoyé ses nudes. Et je vais te dire aussi que la fille là même, il combat les vendeuses de piment alors qu'il meurt derrière. Il aimait la fille là, il était amoureux de Tu sa sais que fille. c'était un manga? Il était amoureux. Mmh. Il était amoureux de cette fille, la fille l'a rasée. Mais après, il se lève, il vient mature un peu. C'est ce que je disais tout à l'heure que. Quand une femme a fait un enfant avec ce genre de parasite, avec ce genre d'handicapé. Je ne sais même pas qui a osé faire l'enfant avec du Cambindo là. Maman. Franchement, c'est la femme là, elle manquait quoi faire avec ses trompes, mon frère. Pour faire l'enfant avec l'ordure, la poubelle du Cameroun. Voilà un gars qui il n'avait même pas à se raser, il a les barbes. Chérie, lui. Je t'envoie la photo. Je t'envoie la photo de la mère de Mona du Cambindo. Tu vas arrêter de l'insulter. Ah bon? Il dit que pour l'amour des femmes, tu vas arrêter de l'insulter. Ah bon? Ouais. Ma. Mmh. Est-ce que je mange? Je ne sais pas, papa. Oui. Tu vois le genre de ngawat qui ne chume jamais la jupe, seulement les petits pantalons là, non? Tu vois le genre de ngawat qui a les boulets aux mains là, non? Bon. Ma. Non. Ma misa, je te dis la vérité. Il te dit la Et il vérité. parle quoi quand les hommes parlent, Amé? Tu peux même parler à une femme comme Si il t'envoie, tu connais Anango? Non. C'est un gars, il faisait beaucoup les blogs dans le Cameroun. Maintenant, on l'a bloqué sur Facebook. Maman, quand le gars, quand j'avais envoyé la photo de la Par mère de exemple, Mouna, la photo de sa femme là, pardon. tu vas dire que tu vas avoir pitié de lui.
Envoie-moi ça. Tu vas avoir pitié de lui. C'est triste. Hein, tu sais que comme j'ai connu Dukam, il était dans une maison comme ça. Oh, maintenant, il est de maison en maison, maison en maison. Mais la fille a un gars qui l'a donné sous location. Regarde encore quelque chose. On lui donne une maison en sous-location. Que cherchent les gens. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller se comparer. Je ne comprends pas les hommes qui veulent juste se comparer avec les femmes. C'est aller se comparer avec Oshiga, que wow, Oshiga, ceci, cela. C'est lui sa référence Oshiga. Voilà quelqu'un qu'on donne une maison. Il dort en blouson. Il dort en blouson dans la maison. Comment tu peux faire venir tes enfants là-bas? Nous, on a lancé un défi. On lui dit seulement que fais venir tes enfants dans ton appartement, on voit. Regarde alors. Quand il allait faire les courses de Noël avec ses Mouna, maman, hey, fallait voir la magie le jour là. Fallait voir la magie le jour là. Hey. La force du cœur, tu parles que quoi, une femme peut aimer la vie des gens comme ça. Ma chérie, va d'abord essayer d'arranger ta vie. Hein, attends, c'est qui? Attends, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? La force du cœur, va regarder un peu son. Non, non, attends, non, mais pardon, bloque-moi la force du cœur là, s'il te plaît. Bloque-moi la force du cœur. Regarde-moi ça. Quelqu'un, elle a sa vie est triste, elle parle aux gens qui mangent 3 fois par jour. Et le problème, c'est que tu sais que moi, c'est parce que moi, je n'aime pas. Dukam, c'est un gars qui me fait pitié. Il fait vraiment pitié. Dukam, c'est un gars qui me fait pitié. Donc, des fois, je reste souvent comme ça. Je me dis, il est comme le riz blanc. C'est-à-dire un riz qu'on mange avec tout. Tout un peu. Il est comme le riz blanc. Il est comme le riz blanc. Il ne peut même pas être comme le tapioca parce que le tapioca est dur. Il ne peut pas être comme le foufou parce que le foufou est dur. Il est comme le riz blanc. Tu as le genre de riz là. Ou bien il est comme le manioc. On appelle ça en bas, ça en bon lip. Tu vois le genre de manioc, quand le manioc est déjà gâté là, la grand-mère prend, elle lave le manioc. Elle va mettre là dans l'eau pour que l'eau reste là-dessus. Et après le manioc, on appelait ça chez nous. En bas, on appelle ça en bon lip. Ça veut dire qu'on mettait sur le manioc à la rivière. L'eau passe sur ça. Voilà, merci. Riz sans sel. Mais oui, c'est ça. Ou elle est comme le riz, ouais, riz sans sel. Donc, quand tu vois ce genre de mec, tu te dis que, mais, celui-ci, chérie, tu ne sais pas. Si elle t'envoie la photo de ta main. Amen, ta main. Amen. Quand je vois que ta main, il est trop fat. Tu sais, la solitude le tue. Quand on était dans les groupes, il fallait voir qu'il était triste dans les groupes. Dans les appels, on dit c'est quoi? Il dit qu'il a envie de se marier. Personne ne veut de Dukam. Il va se marier avec qui? Personne. Si toi-même, on te dit que Dukam va épouser ta fille, il ne peut même pas accepter. Tu ne peux pas accepter? Il est sale. Il n'a rien. Voilà un gars qui se lève un beau matin, il part en Chine, il part au Château Rouge là-bas, il prend les pulls. Il dit qu'il vend les pulls. Il se lève un bon matin, il part où, maman? Il va au château où je ramassais les pulls. Il commence à mettre à la maison. Il dit qu'il vend les pulls. Lui-même, il porte d'abord les pulls là. Les pulls là, il n'a pas le temps d'ouvrier. Je vais te raconter une histoire. Hein? Tu sais, j'ai deux marques de vêtements. DKM, le chapeau, c'est comme pour les pouces. Non, chérie, je vais te raconter une histoire. Tu sauras t'halluciner. Tu sais, Dukam, j'avais su qu'il avait deux marques. Il ne savait pas que j'ai deux marques de vêtements. Un jour, je lui fais. Ça, c'est une histoire. Je te raconte une histoire qui date il y a 5 ans. Un jour, il me dit qu'il veut faire. Je le contacte, je lui dis que Dukam, j'ai vu que tu fais une marque de vêtements, mais je veux que tu rendes ça beaucoup plus professionnel. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais monter sur Paris, je vais te consacrer une journée. Je vais te montrer ce que c'est que l'industrie du vêtement. Voilà comment je prends Dukam Bindo. Je l'amène voir d'abord mon graphiste. Je l'amène voir tous mes fournisseurs. Je l'amène voir là où on fait les commandes. Je l'amène voir là où. C'est-à-dire que je leur montre l'industrie du vêtement. Appelez, on appelle comment celui-là? Bouillon chaud. Il vient écouter. Non, il a bloqué. Il a bloqué bouillon chaud partout. Il a bloqué bouillon chaud. Le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est Toli. Parce que Toli ne fait pas de bouillon chaud. Attends, Toli. Oh, ok, Toli, c'est lui qui est sur Facebook. C'est voilà, ça. Toli, c'est le meilleur. Il n'y a pas son deux sur la toile. Toli donne le conseil de tout le monde sans exception. Mais tu vas remarquer que les Njapa, je dis que je les bloque tous. Que ce soit Njapa, que ce soit Bouillon Chou, eux sont nuls en composant. Parce qu'on les paye pour insulter les gens. Voilà pourquoi je ne les supporte pas. C'est ça. C'est on les paye pour insulter les gens. Combi, c'est comment Mouna Sawa, tu ne dors pas. Voilà mon combi, voilà mon partenaire. Donc je t'explique donc. Donc déjà donc. Dukam Bindo, donc je dis à Dukam Bindo que je viens à Paris. Mais je vais te consacrer une journée pour te montrer l'industrie du vêtement. Massa, je suis venu à Paris. Dukam Bindo arrive. Il est venu avec un monsieur. Je prends ma voiture, je pars de province. Avec mon essence et tout.
Je passe toute une journée avec du Cambindo. Tu sais ce que le gars fait après? À la fin de la journée, il me dit, Amer, ce que tu viens de me montrer, ne montre ça à personne. Parce que je ne veux pas qu'il y ait la concurrence dans le métier. J'ai dit, Jukamer, tu sais pourquoi je t'ai montré ça? Il me dit non. C'est parce que celui qui me l'a montré ne m'a pas demandé un centime. Voilà pourquoi je te montre aussi ce qui commence à se passer. Il dit que non, il y a trop la concurrence, il faut qu'on soit les deux. Je dis non. J'ai essayé de convaincre Jukamindo que ce que tu as reçu gratuitement, retransmets ça gratuitement. C'est ce que le gars, c'est ce que le gars fait, Chéril. Non, non. Il est allé au Bainvilliers. Comme il était pressé. Il est allé au Bainvilliers payer les joggings à 5 euros, l'ensemble des joggings à 5 euros. Il est allé floquer, il allait floquer dessus. DKM, il a commencé à vendre ça à 50 euros. Maintenant, pendant qu'il vend ça à 50 euros, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a même forcé d'acheter ces conneries-là. Il dit que maintenant, on va la barre de saluté là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est donc passé? Je vais te dire ce qui s'est passé dans cette histoire. Il y a une femme donc qui me dit que Amer Kamer, je m'en vais à Paris, je vais acheter la marque du Jukamindo. Je dis ok, c'est une bonne chose, comme ça, ça va lui permettre de. C'était une portugaise. Attends, je veux mettre, je prends vite le masque. Ça, c'est un masque de. Ça, c'est un masque que j'utilise dans le celui-ci, ce n'est pas encore fini. Ouais, c'est presque fini. Je fais souvent un masque du cul-cheveux. C'est-à-dire, quand je viens de me raser comme ça, je fais un masque complet. Ah oui, ça c'est un masque pour ceux qui veulent utiliser la même chose. Non, c'est pas un masque, c'est un gommage au cristaux de miel. Voilà, c'est un gommage au cristaux de miel, c'est de la marque Nux. Voilà, ça suit ça. Mais quand tu te rases, pour que les cheveux poussent encore, c'est un problème, mais il doit faire encore un an. Non, parce que c'est un look que j'adapte, c'est un look que j'adapte. Et moi je suis un moi je suis j'ai mes poils poussent très vite. Donc maintenant alors c'est comme ça donc c'est comme ça donc que la femme là donc elle monte sur Paris, elle voit du Cambindo, elle paie la marque de du Cambindo. Tu sais ce qui s'est passé après? La femme m'appelle, elle me dit Amer, je veux pas que tu prennes ça mal, mais j'ai payé la marque de du Cambindo, mais c'est bien. Le problème c'est que quand je suis rentré, le chinois vendait ça à 11 euros. Elle dit que quoi? Elle me dit que non, le chinois vend ça. Elle a filmé le prix chez le chinois, elle m'a envoyé. Je dis à Jukamindo que est-ce qu'on fait encore ça? Je dis à Jukamindo que est-ce qu'on fait encore des choses comme ça? Comment est-ce que tu peux prendre les vêtements d'Aubervilliers que tu payes à 5 euros? Tu viens revendre ça à une femme. Robert Villiers, là, il y a beaucoup de gens qui cachent ça. Hein? Ben tu oui. Comprends, non, non, Robert Villiers, si vous voulez payer les habits, envoyez-le au Robert Villiers. Les ensembles qu'on vous vend peut-être à 10, à 20 euros, là, vous allez trouver ça au Robert Villiers à 3,50 euros. On appelle ça quoi? C'est quartier Afrique, c'est ça? C'est à porte d'Robert Villiers, là. Là-bas, c'est comme la Chine. C'est fermé, fermé le samedi. Si vous voulez aller là-bas, c'est à partir du lundi. C'est à partir du lundi jusqu'au. Voilà. Jusqu'au vendredi, on vend tout là-bas. Voilà. Il était parti là-bas, on vend les perruques là-bas tellement moins cher. Voilà, il y a tout là-bas, les Brésiliens, il y a tout. Tout est moins cher là-bas. Hein? Les gens cachent ça, nos frères cachent ça. Non, c'est là-bas. Si tu veux que quelqu'un fait les affaires, il va là-bas, il va vraiment s'en sortir. C'est là-bas où c'est ce que je conseille aux gens. Donc voilà donc comment donc la femme, voilà comment la femme donc elle part. La femme me dit que, je dis qu'il n'y a pas de souci. J'ai remboursé cette femme. Pour qu'elle ne commence pas le chantage. J'ai remboursé cette femme et j'ai déjà du Cambindo que ta prochaine marque de vêtements, il faudrait que tu changes. Il me dit que non, la femme là veut me saboter. J'ai dit que ok. Je m'en vais chez Minasto. Edgar avait payé sa marque. J'ai dit Edgar, montre-moi un peu la marque de du Cambindo. Quand Edgar m'a montré sa marque, gars, Chéril. Ouais. La marque du Cambindo, c'était de la merde. Mais quand tu vois d'abord ton chapeau, tu comprends que c'est la merde. Ton chapeau, le devant est large. C'était de la merde. Moi, sans me vanter, tous ceux qui ont payé ma marque de vêtements vont te dire. Tout, attends un peu. Ouais, mon téléphone est où? Tous ceux qui ont payé ma marque de vêtements vont te dire ah merde, ah merde. Je me vantais avec ma marque à un niveau que tu n'imaginais même pas. C'est-à-dire que je prenais ma marque,
Je la vendais, je partais encore au pays, ma marque moi-même. Que j'appelle un gars que j'ai vendu comme ça, il dit que gars, tu fais quoi? Il me dit que oui. Je dis que les trucs que tu avais vendu là, tu as encore ça. Il me dit que non. Ouais, je ne sais pas où j'ai mis notre téléphone. Bon, bref, peut-être c'est quelque chose. Mais je vais te dire que lui, t'a envie de le. Il sait que tu le dépasses, il sait que tu es son kilomètre. Mais le problème, c'est le problème, chérie, c'est que quand tu as affaire à quelqu'un qui est un véritable parasite, parce que du Cambindo, c'est un véritable parasite. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle l'effort du travail. Il ne sait pas ça. Et quand je l'ai expliqué, je lui ai dit une chose. Si tu veux être un blogueur, je lui ai dit ça aujourd'hui. Paye-moi 1000 euros, je t'apprends à être influenceur. Je lui ai dit, paye-moi 1000 euros, je t'apprends à être influenceur. Je peux te dire que le mec, c'est un. Je te prends un exemple. Il entre toujours dans des problèmes sans analyser. Sans analyser. Le gars entre dans un problème. Il veut à tout prix avoir les vues. Tu sais, comme c'est mon dossier qui est sur la table actuellement, c'est ça maintenant qu'il en parle. Il parle, tu comprends? Alors que depuis, il a eu l'occasion de parler, mais il ne parlait pas. Maintenant, comme tout le monde en parle, il parle. C'est-à-dire, c'est un mouton, c'est un suiveur. Pendant que les autres sont en train de créer, d'inventer, lui, il est sur les sujets qui sont à la une. Pendant que toi, tu donnes les conseils, tu machin, lui, il sait pas, on dirait, il vient, il écoute tes lives et il passe inspiré de tes lives, au fait. Voilà. Ça, c'est un tocard. Mais c'est ça le truc, tu sais. Il y a un que. Regarde la dernière fois, je suis sorti avec Décom la dernière fois. Tu vois un peu. Décom, c'est quelqu'un qui est vraiment très simple. C'est-à-dire, parmi les blogueurs, franchement, ce gars-là est d'une simplicité hors norme. Lui, je peux l'allumer tout le temps. Ça reste dans un cadre vraiment du game. Tu vois un peu. Mais quand tu discutes avec Décom, mais que tu discutes avec du Cambindo, mais ça n'a rien à voir. Décom est à des années lumière de du Cambindo. Mais c'est-à-dire que du Cambindo, il faut diviser Décom par 1000. Pour avoir un sang. Mais attends, il dit qu'il faut diviser même. Il faut diviser Décom par 1000. Tu prends les 1 millième de Décom. C'est parce que Ducamé n'arrive pas à avoir un truc. C'est là où il veut sa fille. Il te dit qu'il combat. Il combattait Natacha de Monaco. Il kiffait. Il était en kiff sur elle. Il combattait Flore de lui. Mais il était en kiff sur elle. Elle est jolie, Lolo. Elle a une belle poitrine. Et qui on a combattu. Non. Tu as même pas va te marier. Dieu du Camé, va te marier. Voilà. Mais bon, ok, tu dis que la femme de Amel Camé est poilue. Montre-nous alors une femme qui n'est pas poilue. Maman, moi j'aime les poils. Bon, supposons que c'est pas bien. Montre-nous alors. Mais okay. C'est quoi ce ting-ting, je sais pas. Aussi, ça me rappelle quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, si tu sortais avec un gars qui n'a pas les poils. Aussi, ça me rappelle ma jeunesse. Et que maman, tu me dis. Il est fou, au fait. Non, c'est moi qui n'ai pas pu. Ça dit que, tu sais, c'est les conséquences quand tu as été éduqué sans amour. Tu vois, quand tu as été la risée du quartier. Tu vois, le genre de petite personne que quand tu étais seulement l'occasion de dire que va payer l'eau glacée, va payer ceci. Tu sais, il y a un genre de personne comme ça dans tous les quartiers. Tu vois, tu vois un petit bonhomme comme ça. Qui, un petit bonhomme. Voilà, il est comme un painting ball. Ça dit que les gens viennent seulement taper sur ça comme ça. Là. Et comme il a réussi à venir en Europe, il a encore gardé ce... Je dis que c'est... Il est à la recherche de beaucoup de choses. Moi, je préfère qu'il aille voir un psychologue. Moi, je lui conseille d'aller voir un psychologue. Et en allant voir... J'ai invité du Cambindo chez moi, chérie. Du Cambindo est venu chez moi au moins plus... À l'époque, on ne m'avait pas encore saisi. Du Cambindo est venu chez moi plus de 3 fois. Le mec, il vient chez moi. Je sors, je lui dis qu'écoute, le bar, parce que moi, je ne vois pas. Donc, je lui dis que le bar t'appartient, tu fais ce que tu veux. Je lui donne une serviette. Parce que le gars buait vraiment. Je lui donne une serviette. Et tu me rappelles quelque chose, Amé, je te jure. Ce que tu dis là, c'est la pure et stricte vérité. Le gars, il pue la transpiration. Du Camé sans mauvais. Il dit que je l'avais vu au restaurant. Je dis, il était à mon oncle. Mon oncle dit que merde. Il dit à mon oncle, merde. Viens, mamisa. Il dit que mon oncle, il dit à mon oncle, merde, du Camé. Je n'ai pas approché du Camé. Je suis resté loin de lui. Il pue la merde. Je te dis, mais quand tu vas dire ça, on va penser que c'est du sabotage. Non, du Camé. C'est pas le sabotage. C'est vrai ce qu'on vous dit là. Mais quand on parle comme ça, on pense, non, c'est pas du sabotage. Du Camé plus vraiment. Donc, vous voyez que quand tu es devant des individus comme ça, comment est-ce que tu peux avoir tes chances? Purifie d'abord ton corps. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, je ne suis pas compliqué. Moi,
Je dis toujours aux hommes, et ça c'est un message que je passe à tous les hommes, ayez l'habitude de vous laver. Pour vous laver, c'est la chose la plus facile. Avec 5 euros, voilà un produit. Voilà ça. 4 euros. Au moment où, quand je suis venu, je l'ai fait la bise à la joue. Maman, tu as l'odeur de suie là, on dirait Laura. Putain, il pue le vomi même, je sais pas au fait. Attends, chérie, je donne un conseil aux gars là, aux gens qui veulent ressembler à du Camino. Voilà une combinaison, voilà le parfum, voilà le shampoing, voilà le gel. Tout ça là, c'est 4,50 €. Dessus quoi, tu rajoutes le savon de Marseille. Tu rajoutes, pour ceux qui n'ont pas le savon de Marseille, vous rajoutez ce qu'on appelle le savon noir. Le savon noir, c'est 2 €. Le savon noir, c'est 2 €. Ça enlève aussi bien. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là-dedans, j'ai 6 €. Pour ceux qui veulent vraiment entrer encore en pureté, payez le citron. Avant de te laver, et quand vous payez le citron, vous allez chez Action. Le lait de corps, c'est 1,50 €. Donc, avec 10 €, tu as le parfum, tu as le shampoing, tu as le gel, tu as le savon de Marseille. En plus de ça, tu as, avec 10 €, tu peux faire ta propreté. Deux fois, tu peux te permettre de prendre un citron, le citron vert de préférence, avant de te laver, une fois même par semaine, quand tu commences à être sale, une fois par semaine d'abord, tu commences par mettre sur ton corps. Ça va te faire du bien. Donc, du camion, ne va pas me dire que 4,50 € lui dépasse de payer ça. Et tu te laves. Ça te coûte rien, c'est gratuit. Non, tu sais, pour lui là, c'est naissance. Tu sais, quand sa mère l'a accouché, sa mère n'a pas bien lavé. Donc, du coup, il a l'odeur là en lui, tu vois. Même si c'est lave, comment il va toujours sentir. Et puis la naissance, au fait, les fesses de sa mère étaient pourries. Et non, pardon, pas les mères, chérie, sa mère est morte, s'il te plaît. Sa mère est morte, s'il te plaît. Tout à l'heure, il m'a lavé, hein. Dans son lait, il m'a pas lavé. Non, chérie, hein. Chérie, ne fais pas comme ça. Pardon, chérie, pardon. Pardon, respectons les morts. S'il a fait ça, laisse, chérie, respectons les morts, pardon. Ce bâtard, tout à l'heure, là, comme il vient dans ton lait, il m'a pas loupé chez lui. Hein? Attends, il t'a insulté aujourd'hui. Hey, tout à l'heure, là, il m'a pas loupé, hein. Hey, maman. Ah, il dit. Jusqu'à mettre mes enfants et tout. Il a publié tes enfants. Jusqu'à insulter mon enfant et insulter ma mère et tout. Non, chérie, laisse. Ça dit que ça prouve sa faiblesse, tu vois un peu. Ça dit que ne joue pas son jeu. Ne l'insulte pas. Ça dit que donne-lui une bonne leçon de civisme, une bonne leçon de propreté. Mais ne l'insulte pas. Parce que si tu l'insultes, il sera content. Parce que quelqu'un qui est habitué à la boue ne peut être à l'aise que dans la boue. Tu vois un peu. Non, pour lui, ça dit que c'est pas de sa faute. Playboy, il dit qu'il est en train de combattre la bordellerie. Tu vois, il combat la bordellerie. Alors que lui-même, il voulait n'observer un bordel comme moi. Mm-hmm. Moi, je comprends pas. Il voulait être en couple. Lui-même, il voulait être en couple avec toi. Oui, il connaît, il sait de quoi je parle. Il va pas nier. Hein. Il dit, chérie, là, on se met en couple. On montre aux gens qu'on est en couple. Il dit, mon ami, je veux pas. C'est pas le genre avec qui il peut. Frère, et en plus, comme ton buzz avait cartonné l'année, la maman. Non, c'était même pas au moment là. C'était pas au moment là, c'était avant ou c'était après? Oui, je suis une bogus, non. Il connaît que je suis une bogus, mais il voulait se mettre en couple avec moi. Et ça fait longtemps que j'ai pas entendu les noms là. Qui a encore sorti le nom là, bogus? Ouais, Playboy, tu vas être un vieux, hein, parce que pour sortir le nom de bogus. Non, c'est ça le problème avec lui. Et je dis toujours aux hommes. Vous savez, le corps qui part travailler dépense au moins 10% de ton argent sur ton corps. Les clients des bogues qui connaissent les noms là. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que voilà le problème avec lui. C'est-à-dire que heureusement, j'ai pris l'exemple sur lui sans m'en rendre compte. Je ne savais même pas qu'il t'a insulté. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut souvent mettre ce qu'on appelle la marque des grands. Il a passé le temps à insulter la mère d'Oshida. Il a passé le temps à insulter la mère d'Oshida. Il a passé le temps à insulter. J'ai dit à Oshida que Oshida ne le répond pas. Laisse. Laisse. Aujourd'hui, ouais. Non, il dit que non, ne le reprends pas. Laisse. Ta mère, tu sais de qui me blesse, moi, c'est qu'elle ne peut pas lancer mon live pour clasher. Mon live, c'est pour travailler, c'est pas pour clasher. Ouais, voilà exactement. Pourquoi quelqu'un m'a l'air qu'il vient ici. Maman. Il savait que j'allais le voir dans un live ou bien j'allais monter dans un il live. Il a déjà fait les tours là 1000 fois. Quand il sort d'ici là, il entre sur Facebook. Quand il est sur Facebook, il entre ici là. Et comme tu sais que c'est aussi un peu heureux, il ne peut même pas venir dire qu'il va m'affronter. Il ne peut même pas. Avec son petit bangala, tu dis que maman, tu combats les je vais t'envoyer la photo de son bruit. Bon, par contre, ce que je vais faire, je vais t'envoyer la photo de son bruit.
Quand tu envoies, quand tu envoies la photo, il dit que tu vois mon pouce. Tu vois mon pouce. Quand tu envoies la photo de son oui, Cyril, il y a deux choses que je t'envoie sur du Cambindo. Tu vas arrêter de l'eau coche. Il dit que tu vas arrêter de l'eau coche. La photo de son bite. La photo de la matinée de Saint-Mouna. Si je t'envoie les deux photos là. Envoie-moi les deux là, du camé. Envoie-moi ça. Parce que si je t'envoie, c'est sûr que tu vas faire du sale avec. C'est ça le problème avec toi. Ouais, mais bon, je te jure sur ma vie que ce gars voulait qu'on se mette en couple. Je sais, non, mec, est-ce que ça me surprend pas que tu le dis ça? Couple, on se montre aussi sur Facebook. On se montre aussi sur Facebook. Et je pense que c'était vraiment le moment de mon buzz là, Amé. Il dit que c'était à ce moment-là, je me rappelle bien, parce que tu faisais la une de tout. Hein. Oui, 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 je pense que c'était au moment de mon buzz là, je pense. Bien, voilà. Et quand je faisais mon buzz, j'étais dans le groupe. Rappelle-toi jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un, jusqu'à ce qu'il y ait le message du groupe qui avait fuité. Que non, c'est pour embellir ma page et tout. Ouais, voilà, j'étais en dans le groupe avec Amé et Kamé en ce moment. Amé et Kamé connaît que je nyang le pépé depuis. Ouais. Mais, par le fait que Kamé, il sait que je nyang le pépé. Mais il voulait qu'on se mette aussi en couple. Parce que tu le vois comme ça, hein. Il veut un gars qui va l'entretenir, tu comprends. Mais tous les Waka le refusent. Hey. Tous les Waka le refusent. Les femmes qui sont au pays le refusent. Du Kamé, tu dis que tu vas me combattre. Tu crois que tes clashs que tu fais sur... Comment, il ne peut pas... On appelle ça, hein, ma chérie, on appelle ça clash sans visibilité. Voilà, tu as vu, il ne peut pas lancer le live pour toi. Il peut le faire même sur Facebook. Bah, tu veux que j'entre dans les clashs. Là, on parle de lui parce que le thème du message est déjà fini. Il n'a même pas remarqué ça. Le message qu'on voulait faire passer, c'est déjà fini. Là, maintenant, on reste seulement parler de lui comme ça. Maman, il y a maman. Hey, c'est ce qui va te donner. Un enfant, je ne sais pas. Tu dis que tu me parlais que je suis un bordel. Mon ami, tu connaissais que je suis un waka. Tu le savais. Mais tu voulais quand même qu'on commente ensemble. Maman. Hey! Maman, si tu savais, si tu savais qu'il allait faire ça, il fallait l'enregistrer. Non, Playboy, tu as vu, non? Si tu savais qu'il allait sortir comme ça, il fallait l'enregistrer. Il dit que même au Cameroun, les filles refusent le gars. Mais il draguait une laide de fille au Cameroun, la fille à la barre. Il dit que le gars, il dit que. Tu vois la lionne, non? Ouais. La lionne, il dit que quand la lionne a barré du Cambino, j'ai compris que son cas est grand. Tu as vu ça? Tu sais que la lionne a une réputation. C'est que tout le monde sait que la lionne ne refuse personne. Mais entre eux deux, c'était mon père, ma fille, non? Comment il a dragué sa fille? C'est quand il est parti, Nias. C'est quand il voulait Nias que la lionne a dit que pardon. Que la lionne a dit que pardon, il ne peut pas faire ça. Il m'a dit que tiens, le mécatage, tu as toujours, maintenant tu as tout de niaise partout. Je niaise partout, mais je ne niaise pas avec toi. Ça, c'est clair. C'est ça qui est bizarre. Il niaise avec tout le monde, mais pas avec toi. Il a dit qu'au lieu de rester à soi sur ma vie, Dieu, quand même, va dormir, tu grandis un peu. Les femmes n'aiment pas les short man. Voilà, deux fois, ce qu'il faut souvent faire, il faut lui demander. Filme-moi là où tu dors. Voilà. Montre-moi là où tu dors. Montre-moi ton lit. Montre-moi X ou Y. Il ne va pas le faire. Moi, je lui ai dit ceci. Moi, je suis dans un studio. Je lui ai dit, mais fais comme je fais. Montre comment je montre là. Tu es chez la femme. Qui part aussi chez la femme et filme en voix. Il fait ce que tu fais chez la femme en voix. Un nain. Du c'est quoi? Attends, on faisait la taille. Va rester au village. Regarde. Attends. Il a fait comment pas arriver en Europe, Maman, tu sais qu'il y a des gens qu'on y a sans route pour avancer, non? C'est comme quand tu es dans le... Comment je vais t'expliquer ça? C'est comme quand tu es dans le... Quand vous prenez le Zodiac, il faut trouver une femme enceinte ou bien il faut un enfant. Tu vois un peu, pour que le Zodiac avance. Du Cambindo. Il a beau ça, non. Du Cambindo. Regarde le lit d'Amer Kamer. Regarde là où je dors. Tu vois un peu la qualité. Tu sens que le gars est la bonne manière, même dans ça. Même, il dit que, même, attends, je te montre ça bien ici. Regarde bien du Cambindo. Pourquoi tu le dis? Tu te permets de parler de moi, prononcer mon nom. Du Cambindo, regarde bien. Tu vois un peu. Le truc, c'est jusqu'au sol. Ce n'est même pas que. Tu sens que non, le gars est dans un. Je dois avoir 17 oreillers. Ce n'est pas que les histoires de que, non, les lui, qu'elle a dit que.
Il y a la 17 jusqu'à avec deux c'est beau, c'est beau, c'est propre. Tu vas jamais monter pour lui comme ça, il va jamais le faire. Je lui ai dit. Ce ting ta main. Je lui ai dit, du Cambindo. Mon gars, je fais un goma. Le goma, je vais faire. Regarde bien du Cambindo. Regarde bien. Ce n'est pas impressionnant, tu dis, mais c'est propre. C'est non, ce qui est plus important, c'est que ça soit propre. Ce n'est pas un truc que c'est impressionnant, c'est que c'est propre. Tu as vu, non? Et je peux te dire quand même. Tu as vu tout mon lit là. Mon lit ne dépasse pas 100 euros. Mon lit que tu vois là ne dépasse pas 100 euros. Non, je vais t'expliquer. Ok, maman. J'ai payé les deux couettes. La première. J'avais vu du camion en live. Non, écoute, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Les deux couettes. J'irai me descendre tout à l'heure. Il m'a descendu dernièrement à Facebook. Attends, l'ange du bien. Je vais te dire comme. L'ange du bien. Je vais te dire, ça peut aider beaucoup de personnes. Ça peut aider beaucoup de personnes. Les deux couettes, j'ai payé les deux couettes sur Action. La première couette, 220 sur 240, j'ai payé à 15 euros. La deuxième couette, 240 sur 260, j'ai payé à 30 euros. Les housses que vous voyez là, c'est 2,50 euros. Donc, quand je compte tout l'arsenal que vous voyez sur là, ça ne dépasse pas 100 euros. C'est une manière de vous dire que pour être propre, pour être présentable, ce n'est pas une question d'être cher. Il faut juste savoir ce que tu payes. Je pourrais bien mentir aux gens en disant que oh, c'est un lit qui est chiffré peut-être à 300-400 euros. Non. La couette, les housses de couette, tout ce que vous voyez, je vous dis que ça ne dépasse pas 100 euros. Le plus cher là-dedans, c'est la grosse couette, 20 euros. 240 sur 260. L'autre, c'est 15 euros. 220 sur 240. Les têtes d'oreiller, c'est 2,50 euros. C'est vrai que tu es créatif, toi. Ma chérie. Comment il me dit que tu es comme ici, tu as wa. Un jour, t'as tout donné, maintenant tu niaises pas tout. Mon frère, tu sais bien que au moment que tu vois, tu dois te sacrifier, non, avec année. Exactement. Tu dois te sacrifier. Maintenant que tout va bien, tu dois te mettre à l'aise. Ou bien, il doit me mettre à l'aise parce que. Non, c'est comme ça, tu sais quoi. Tu reprends pourquoi c'est en tort. Moi, je suis l'ange du bien. Look, là, aïe, mais Joe, l'ange du bien, c'est qu'il disait, c'est que je m'entendais bien avec lui. Il s'est levé un bon matin, on s'est su ma vie. Mais le gars, là, c'est la même chose. Dans mais c'est la même chose avec l'ange du bien, non? Mais il est fou, hein? Il est fou, on va l'interner. Non, je t'ai dit que. C'est des bordels. Mais ça veut dire qu'un homme, je vous disais toujours ça. C'est des bordels. Alors que son bangalais, il sort du temps, il défend d'une bordel. Petit comme ça. Il dit qu'un homme, si tu vois un homme s'attaquer à une femme, dites-vous que cet homme a un problème personnel. Soit il a un petit oui. Soit il a une frustration terrible. Eh bien, coupe ton volume, tu ne dors pas. Parce qu'il y a des gens ici qui ont stress, ils veulent partager à tout le monde. Exact. Soit il est complexé, soit il a un problème personnel. Mm-hmm. Mais pour lui, quand même, ça m'étonne fort quand même, parce que depuis qu'il est en France, moi, je préfère qu'il voit un psychologue. Il faut qu'il voit un psychologue, il faut qu'il fasse du sport. Il faut qu'il fasse un des deux. À un moment donné, le gars a commencé à dire que je veux aussi avoir, je veux aussi être comme ma mère quand même, je m'en vais faire le sport. Sarah n'a qu'en route. Il a dépouillé. Il courait comment ma mère quand même. Les gens de Paris, ils courent sur place. Avec quand même. Tu sais, les gens, ils poussent, ils vont d'un côté, ils poussent encore de l'autre côté. Lui ne peut pas courir tout droit comme ça. Lui, il a oublié de courir comme ça. Après, quand il court sur place, c'est comme s'il avait patiné. Bonsoir, Tchatchoua. C'est pas possible, mais tu sais. Bonsoir, le grand Amé Kamé. Bonsoir. Une autre, s'il vous plaît, mais n'aime pas. Comment va, madame? Bien. Tu n'es pas venu ici pour me dire comment va madame. Je suis dans mon mur. Je suis là dans mon mur. Si tu veux savoir comment va madame, tu vas sur le mur. Hein? Pourquoi est-ce que tu n'es pas modo ici? Je vais te mettre au modo. J'avais oublié complètement. Ouais, tu sais que j'avais oublié, non? Ok, chérie. Souvent, c'est un gars modo ici là. Maman, chez moi, il y a que les gars qui sont au modo, à part mon secrétaire général. Et bien, on fait comment pour voir les modos, pour savoir que quelqu'un est modo? On fait ça comment? Écris, commente un peu. Commente un peu, tu vois. Si tu es modo ou pas. Ok. Comment on va te dire? Ah, ça.
On fait comment pour voir? Bah, tu n'es pas modo. Attends, je fais comment pour voir que quelqu'un... Tu vois, regarde le commentaire de l'ange du bien. Tu vois, il y a un petit bonhomme devant l'homme. Oh, d'accord, ok. Donc, okay. Tu sais que tu as aussi l'engagé à mec, mais comment ça serait son coup? Non, elle, non, elle, non. Non, ça, c'est ma belle-sœur. Mais on est là sur du camé, du camé. Continue, chérie. Laisse les gens qui te dépassent. Laisse les gens qui te dépassent. Bon, attends, je vais demander aux gens. Bon, Facebook, je vais fermer Facebook. Donc, pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous êtes encore 800 personnes. Donc, pour tous ceux qui sont sur Facebook, allez sur TikTok. Il peut faire l'erreur. Allez sur TikTok. Allez sur TikTok, vous venez sur Amer Kamer 237. Oui, venez sur Amer Kamer 237. Donc, voilà, ok. Venez, on va débattre un peu sur Tikambindolo. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.